On coûte ça. On nous nous laisse pas mal tôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant la pause de midi, j'avais lu un premier extrait du livre de Philip Short, Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. Et, Monsieur le témoin, vous nous aviez dit que vous aviez simplement répété ce que vous aviez entendu concernant l'impression de certains documents dans le maquis et la manière dont elles étaient transmises, dont ces documents étaient transmis par messagers. Je voudrais également avoir votre réaction concernant la note de bas de page que j'avais lue tout à l'heure et qui disait, selon Philip Short, que vous avez travaillé de la fin de 1967 au milieu de 1968 pour cette imprimerie dans les maquis après que ce service d'imprimerie ait été transféré à Ratanakiri. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez travaillé en 67 et 68 à Ratanakiri à imprimer des documents dans le maquis? Pour clarifier les choses, parce que vous dites qu'on mettait le matériel dans un sac à dos et on allait ailleurs pour imprimer. Est-ce que donc vous avez travaillé à imprimer des documents durant la période qui précédait le coup d'État de mars 1970? អ្នកទៅសេនោះត្រូវជាអ្នកទៅសេអក្សរស្អាតហើយខ្ញុំក៏អ្នកអូសទៅឲ្យចេញជាឯកសារទៅហើយសំណួរលោកសួរហ្នឹងគឺខ្ញុំដំណើរការតាមហ្នឹងឯងបាទ
Est-ce que c'est vous qui écriviez alors ces documents? Vous dites qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait une belle écriture. Est-ce que c'était vous ou bien c'était quelqu'un d'autre? D'accord. Donc vous nous avez dit que vous avez travaillé un an à peu près à Siem Reap, entre 66 et 67. Est-ce que par la suite, vous avez voyagé dans le cadre de vos fonctions comme imprimeur dans le nord-est du pays? ສົມຈໍາລຽບຈູນລູກປະທານກາອົສນີ້ຄືອົສອາຍກະສານນີ້ຄືອົສໃນພູມພຽຄັງນີ້ໃຫ້ກະດາລໃຫ້ຈົ່ງມາກະດາລຄັງວົງຈາມໃຫ້ກ້ອຍມາຈົ່ງມາຕໍ່ມາຄັງຈິດຄັງພຽຍໍໄປວ່າສົມໄຊ Est-ce qu'à un moment donné, comme l'indique M. Philippe Short, cette cellule qui était chargée de l'impression de documents a été transférée de la zone centrale vers la zone du nord-est? បញ្ជាក់ជូនគឺឯកសារដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះវាអាចលោកស្រាប់ច្រឡំហើយគឺជាឯកសារមិនមែនឯកសាររបស់ថ្នាក់លើទេឯកសារដែលគេបង្វែកតាមតំបន់ហើយឯកសារបង្វែកតាមតំបន់គេដកស្រង់បាទអញ្ចឹងទៅអស់តាមតំបន់ទៅហើយបើកន្លែងណាដែលមានការប្រយុទ្ធតឹងតែងគេច្រឡាត់មកទៀតមក Quels étaient les types de documents qui étaient imprimés, qui devaient par la suite être transmis d'un endroit អានោះតាមជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនោះតាប្រភេទឯកសារអ្វីខ្លះទៅសូមជម្រាបជូនឯកសារនេះគឺជាឯកសារទទួលពីលើរួចហើយពីលើនឹងយកបន្តមកតំបន់រួចហើយតំបន់ហ្នឹងមកដកស្រង់ឲ្យអស់ទៅហើយផ្សាយទៅតាម មុខសញ្ញាដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងហើយនឹងផ្សាយទៅមូលដ្ឋានដែលនៅជាប់នឹងកន្លែងប្រយុទ្ធនឹងមិនមែនជាឯកសារដែលយកទាំងស្រុងពីលើមកទេទី1តែទី2ជាឯកសារអប់រំដោយខ្ញុំបានជម្រាបតដែលគឺថាឃោសនាឲ្យប្រជាជននឹងអ្នកក្រោយបង្កប្រកាសផលអបឋមខ្លួន ហើយអ្នកខាងមុខអបអាយទី2ឲ្យអបឋមទៅខាងមុខបានជាត្រូវជាអង្គហើយយកទៅអបឋមខាងមុខហើយមួយទៀតក៏ឃោសនាឲ្យចូលរួមការតស៊ូបាទខ្ញុំសារប៉ុណ្ណឹងបាទ សំណួរ
Vous nous dites que c'était des documents qui venaient de l'échelon supérieur. Où se trouvait l'échelon supérieur dans ces années 67 à 70? Et comment ces documents vous étaient alors transmis à Siem Reap, si je ne me trompe pas? ខ្ញុំជម្រាបជូនបាទឯកសារហ្នឹងគឺគេផ្ញើតាមសាខាសាខាហ្នឹងគេយកមកបន្តដូច្នេះប្រធានសាខាដែលបានទទួលពីខណ្ឌណាខាងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទ សំណួរ Est-ce que c'était des documents officiels du Parti communiste du Cambodge? ខ្ញុំយល់ពេលនោះគឺជាឯកសាររណសិរ្សមិនបានបញ្ចេញថាជាបកគមនីកម្ពុជាអីអត់មានទេបាទឯកសារនិយាយកម្រិតរណសិរ្សអញ្ចឹងបាទ À votre connaissance, où se trouvaient les dirigeants du Parti communiste du Cambodge entre 67 et 70? Dans quelle région du pays avaient-ils trouvé refuge dans le maquis? Je vais maintenant lire un deuxième extrait du livre dont j'ai parlé, de Philip Short. À la page 193 en anglais, c'est-à-dire IRN 00-3-9-6-3-9-3, et à la page 250 en français, IRN 00-6-3-9-7-0-6. Alors, Philip Short parle de la discipline sévère qui était en vigueur dans le mouvement communiste. Et il dit ceci, je cite, « Le petit frère de Son Sen, Nikon, passa 3 mois terré dans une hutte paysanne au fond de la campagne de Kampong Cham, alors qu'il était en fuite en 1968. » Il n'était pas autorisé à sortir pour se laver, ni même pour utiliser les latrines, prétendument pour des raisons de sécurité, mais en fait pour l'aguerrir et lui permettre de prouver que sa loyauté au parti était sans limite. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez avoir passé ces 3 mois à Kampong Cham dans la campagne en 1968 et vous étiez caché? ពេលនោះគឺមានការកិច្ចដែរកិច្ចខ្លួនដែរបាទពីព្រោះចាប់ផ្ដើមមានប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិហើយវិបត្តិរដ្ឋប្រហារហើយចូលឡើងហ្នឹងទីក្នុងបោកច្បល់ហើយខ្ញុំតល់ក៏អាចមានឈ្មោះក្នុងអ្នកដែលឃោសនិកមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កិច្ចខ្លួនតាមសាខាតាមនេះដែរតាម
crew, do you need I? But, they don't mean Jack, but. Là, je parle en fait de la période de 1968 et non pas de celle qui suit le coup d'État. Est-ce que donc c'était bien en 1968 que vous avez dû vous cacher et vous cacher vis-à-vis de qui en 1968? ជំរាបបាទលក្ខខណ្ឌពេលនោះគឺវាមានចលនាទូទៅហើយជាចលនាចូលព្រៃនឹងវាខ្សឹបខ្សៀវបន្តគូផ្សំគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្តីអ្នកណាដែលចូលចិត្តពីរឿងហ្នឹងតើប្រព័ន្ធចាត់ចែងរបស់ខាងសន្តិសុខលន់នល់ហ្នឹងដឹង Est-ce que vous partagez l'analyse de M. Short quand il dit que votre loyauté envers le parti a été testée durant ces années, et spécialement en 1968 lorsque vous avez dû vous cacher? Est-ce que le parti a vérifié que vous étiez loyal à la cause communiste et à la cause révolutionnaire? ចំពោះបបផែតបដិវត្តន៍នោះសូមបញ្ជាក់ជូនបាទភាពស្មោះត្រង់នឹងបកនឹងអីពេលនោះខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំយល់តែភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីជាតិប្រជាជនហើយរួបរួមកម្លាំងគេហៅរណសិរ្ស Alors, il me reste deux extraits à lire de ce même ouvrage. Le premier, c'est la page 252 en anglais, c'est-à-dire la référence IRN 00 39 64 52 et la page 325 en français, IRN 00 63 97 80. Alors, à cette page, M. Short parle de l'automne 1973, donc on avance dans le temps, et il parle du fait que Pol Pot s'était rendu dans la zone spéciale, près de Shrok Zdek, où une nouvelle base avait été établie. Voilà ce que dit Philippe Short. Je cite. En théorie, le contrôle opérationnel de l'armée Khmer Rouge était entre les mains de Son Sen, que Pol avait fait revenir du Nord-Est pour qu'il reprenne ses fonctions de chef d'état-major. Son poste de commandement se trouvait à 15 km au sud-est, près de la station de chemin de fer de Ra Smak, sur la ligne Phnom Penh-Battambang, désormais abandonnée. C'était une région constellée de fourmilières géantes, dont certaines dépassaient les 6 mètres de haut, et sur les flancs desquels poussaient des arbres et des bouquets de bambous.
Le frère de Sen, Nikon, en a donné le récit suivant. Et je cite ce que Philip Short dit, que vous avez dit. Nous avons construit les bureaux de commandement à demi enterrés, avec des tranchées et des abris à l'intérieur des fourmilières, et un système de tunnels pour passer, pour communiquer d'une fourmilière à l'autre. En cas de raid aérien, nous nous cachions à l'intérieur comme des fourmis. Puis, une fois le danger passé, nous sortions et reprenions notre travail. Généralement, quand nous construisions des tranchées, nous les tapissions de bois et d'une couche de balles de riz pour absorber les ondes de choc des bombes. Mais la terre qui a été travaillée par les fourmis résiste encore mieux aux explosions et les bambous fournissaient un bon camouflage. Alors, ma première question est de savoir si, effectivement, vous avez travaillé à partir de 1973 avec votre frère Son Sen, chef d'état-major, dans cette zone spéciale près de la station de Rasmak, pas très loin de Schrocksdeck, au nord-ouest de Rasmak. Pas très loin non plus de Udong, qui était au nord-est, et de Pim, qui était à l'ouest. Donc c'est cette zone frontière entre Kampongspeu et Kampongchna. Est-ce que vous avez travaillé là-bas avec Son Sen, comme le rapporte du livre de M. Short? ជម្រាបជូនបាទកន្លែងដែលសៀវភៅសភាខ្ញុំបានសរសេរនោះគឺជាកន្លែងដែលគេហៅថាតំបន់15ហើយតំបន់15នេះគឺវាស្ថិតក្នុងវាយប់ភ្នំពេញដូច្នោះកន្លែងនោះជាសមរភូមិក្តៅបំផុត ក្របបែកធ្លាក់គ្មានពេលវេលាទេកប៉ាល់ហោះបាញ់គ្មានពេលវេលាទេកំភ្លើងធំចេញក៏គ្មានពេលវេលាអញ្ចឹងទាំងប្រជាជនទាំងពួកខ្ញុំជាខុសសនិកទាំងអស់ទាំងយោធាអីទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើលេខនឋានហើយលេខនឋានដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺលេខនឋានប្រសិទ្ធភាពគឺដបូក តបោកមានដើមឈើមានអាស័យដោះវាលើហើយវារឹងកណ្ដៀវពូនអញ្ចឹងគេលុងកណ្ដោបតបោកហ្នឹងគេចូលទៅជ្រកក្នុងហ្នឹងតែពេលខ្លះក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរហ្នឹងសូមជម្រាបអញ្ចឹងពីព្រោះក្របបែកណាហ្វាល់វាហូរចូលបាទជាជនអីអីទាំងអស់ស្វ័យភាពខ្លួនឯងទាំងអស់ជីករៀងខ្លួនលោកអាច De qui émanaient ces bombes, monsieur le témoin? Est-ce que c'était l'armée de Lonol ou est-ce que c'était des bombes américaines? លន់ណុលហើយមានអាមេរិកាំងគាំទ្រហើយក្របបែកនោះមកពីណាយីហោអីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបាទ
tại cọ bay những tầm lẽ mỏ riêng rõ thằng ai chẳng mà Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez rejoint le secteur 15 à la fin de 1974. Or là, l'extrait que j'ai lu parle de l'automne 73, là où vous décriviez que vous étiez avec Samson dans ces fourmilières. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous êtes donc arrivé finalement bien plus tôt que fin 74 dans le secteur 15? ឆ្នាំ 1974 ចុង ឆ្នាំ 1974 វិញ ទេ ថា អញ្ចឹង មែន ទេ សូម ជម្រាប ជូន ខ្ញុំ ចាំ មិន អស់ ដែរ ប៉ុន្តែ តាម ខ្ញុំ នឹក ឡើង វិញ ប្រហែល ជា ចុង 73 ដល់ 74 ហើយ មិន ចាំ ចាំ មិន អស់ ទេ បាទ បាទ រវាង ប៉ុណ្ណឹង បាទ Lorsque vous étiez avec Sun Sen dans ces fourmilières, est-ce qu'il y a des dirigeants du parti qui sont venus le voir sur place? Sun Chai, Nek Sun Sen, nous avons dit qu'il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se ai khiom nhiy tha som bai dae bong chup kdai rue mai toap kdai doy chmreap amanh mai nana kdoy trou tae chiik chang hai chiik chou chrong chang ba man chou chrok man chiik chang te nou man van te ba som chmreap banjak ban thaim panang ba Est-ce que vous étiez bien à Rasmak, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le secteur 15? Donc lorsque vous étiez à Shrek, vous-même vous avez pu voir Pol Pot qui était venu inspecter le poste avancé? Peut-être que c'est une question de traduction, mais j'ai entendu que vous avez dit avoir fait des allers-retours entre Rasmak et Shrokstad. Et maintenant, vous me dites que vous ne connaissez pas Shrokstad. Est-ce que vous pouvez clarifier? Peut-être que c'est ma prononciation qui m'agresse. ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកភូមិសាស្ត្រនៅដងឬក៏នៅម្ដុំរាស្មាច់តែនឹងច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំឆ្លើយនៅលោកដែលសួរខ្ញុំអំមិញមិញនេះសួរត្រង់ថារាស្មាច់ខ្ញុំសុខល់ត្រង់អាផ្លូវខ្វែងផ្លូវអតេផ្លូវហ្នឹងឯខួរពីហ្នឹងទៅច្រកស្ដាច់ត្រង់ណាក៏ខ្ញុំមិនដែលឮដែរខ្ញុំចូលមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹង ខ្ញុំស្គាល់តែត្រង់ ផ្លូវខ្វែងផ្លូវអតេផ្លូវហ្នឹងហើយចាក់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំមកនៅច្រើនជាងគេគឺភ្នំចិត្រា
bài phong chất ra cho lan mà đông năng anh miền tì lũng tì lũng năng ấy cho bà lo đi bà chế ra xa mạch nâng nhóm co mình cho bà lo đá nhóm co đá chúng ta khoan đó năng khoan phá lợi tế phá lưng bà lục xu chúng ta chỉ đọc lại cho tao ná nhóm cho bà ra bà hay tạo bàn thơ ca chủ mùi bàn tự tu ca xoa công ấy nhóm co ở đại bàn này phù nếu chỉ có đọc hắn thân lơ thân khổ một khót mà ai cầm rất nhóm bàn chụp tê bà. Xâm núa mais concernant votre frère dont on a parlé dans l'extrait du livre, on dit qu'il avait un poste de commandement environ 15 km de Schrocksdeck et que ce poste de commandement était à la station, près de la station de chemin de fer de Rasmach. Est-ce que effectivement votre frère Sun Sen avait un poste de commandement à Rasmach qui pouvait être un endroit légèrement différent de celui où vous vous trouviez? ក្បែរគ្នាឬក៏ខុសគ្នាបន្តិចពីកន្លែងនៅលោករស់នៅកាលពីសម័យនោះតាមអញ្ចឹងមែនទេសូមឆ្លើយទីវិជ្ជាការរបស់គាត់ខ្ញុំមិនស្គាល់ទេគេសម្ងាត់ហើយចំណុចរបស់ខ្ញុំជាចំណុចចំហចំហពួកអ្នកឃោសនាមិនសម្ងាត់ទេបាទ Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes arrivé dans la région entre fin 73 et début 74. Or, vous savez, vous n'êtes pas fort en géographie, mais tout de même, Rasmach est tout près de la ville d'Udong. Est-ce que c'est correct? Sông chủ riêng luôn đoàn thiết thạc nhóm score và chụp án thế nhóm score chụp nó khoai nó nhóm thạc xe mạch vì phụ miễn phụm xe mạch mùi tại đó mình tên tôi ra xe mạch nâng đầu tầng ở đông tầng ná khi mà chụp án thế về nó bà est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux habitants de la ville de Udong en mars 1974? Oui, merci, Monsieur le Président. Je faisais référence au fait que Monsieur le témoin était au moins depuis le début 74 dans la région de Rasmach. Est-ce que vous savez, Monsieur le témoin, ce qui est arrivé à la population de la ville de Udong, qui n'était pas loin, en mars 1974, peu de temps après que vous soyez arrivé dans cette région? Est-ce que
vous savez, ou avez-vous entendu à un moment donné, que ce soit à ce moment-là ou plus tard, que la ville d'Udong avait été évacuée au début de l'année 1974? ក្នុងនេះក្នុងពេលនោះមានការជម្លៀសប្រជាជនចុះឡើងច្រើនដែរតែការថាឲ្យខ្ញុំកត់ចំណាំថាប្រជាជនឧដុង្គឬសង្ណាខ្ញុំអត់ចាំអត់ច្បាស់ទេ តែ Une fois que ces personnes étaient évacuées des zones de combat pour leur permettre d'éviter les bombardements, est-ce qu'à un moment donné, on les faisait revenir dans les villes ou les zones desquelles elles avaient été évacuées, ou bien était-ce un départ définitif? គឺគេជំលះម្ដងសតបើកាលណាសភាពការអនុគ្រោះគេចលនាឲ្យទៅឡំមកវិញពីព្រោះប្រជាជននៅចិត្តសមរភូមិមុខនេះជួយដល់ការដឹកជញ្ជូនទាំងដឹកជញ្ជូនក្របនំសាវស្បៀងអាហាររបួសពលិកម្ម ដូច្នោះគេមិនចលនាទៅរហូតទេតែបើសិនកន្លែងនោះមិននៅទឹកដៅអញ្ចឹងគេឲ្យនៅទៅខាងក្រោយខាងក្រោយដើម្បីឲ្យជួយដើម្បីធានាសន្តិសុខហើយខាងក្រោយនោះគេជួយបាយជួយទឹកនេះតាមខ្ញុំដឹងបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que dans les villes, et spécialement la ville d'Udong, est-ce qu'il y avait, il n'y avait que des gens acquis à la révolution? Ou est-ce qu'il y avait des classes sociales qui pouvaient être considérées comme des ennemis? ចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារជួយឧបត្ថម្ភជាការដឹកជញ្ជូនហើយនេះមិនមានការបែងចែកទេបាទ Dans le secteur 15, toujours avant avril 75, en 73 et 74, est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des réunions importantes du parti qui s'y seraient tenues? ការប្រជុំបកសំខាន់ៗនៅតំបន់នោះខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើប្រជុំគេហៅថាការប្រជុំរួមឃោសនារួមតាមភារកិច្ចរបស់គណៈតំបន់15នោះមានបាទ D'accord. Alors,
dernier extrait de ce livre, c'est en anglais à l'IRN 00 39 64 76. En français, IRN 00 63 98 00. Alors, dans cet extrait, Philippe Short parle de l'entrée des troupes Khmer Rouge dans Phnom Penh le 17 avril 1975. Et il dit ce qui suit. Je cite. Le jeune frère de Son Sen, Nikon, faisait partie de l'avant-garde qui pénétra dans la ville avec une division de la zone spéciale. Et voilà ce qu'il dit de votre témoignage, je cite. Nous sommes arrivés par tous les côtés. Il y avait au total 14 lieux de lancement pour la poussée finale. La principale concentration se trouvait à l'ouest. C'était là que le gros de nos forces était basé. Son Sen partageait son temps entre son quartier général de Ra Smak et un poste avancé sur le mont Chitrus, d'où il pouvait suivre la progression. Nous pensions que la ville allait tomber entre 10h30 du matin et midi, mais en fait, ce fut une heure plus tôt. Pour nous, ce fut une telle joie, un tel bonheur. Tous nos objectifs stratégiques avaient été réalisés. Je me rappelle avoir pensé que tout allait changer, que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure. Fin de citation dans le livre. À côté de la fin de citation, il est marqué Nikon interview. Est-ce que vous avez entendu parler, en plus de Ra Smak, près de la station ferroviaire, du mont Chitrus, qui est mentionné dans cet extrait? ខោសនាអប់រំតាមតែក្រោយកងទ័ពដោយបានជម្រាបខោសនាឲ្យឧបត្ថម្ភជាមហោបចំណីខោសនាឧបត្ថម្ភជួយដឹកជញ្ជូនហើយក៏ចល័តចោះចល័តឡើងម្ដងអស់នេះពីព្រោះមុខព្រួយដែលវាយសម្រុកចូលក្នុងភ្នំពេញវាមានច្រើនមុខព្រួយ តែខ្ញុំនៅមកព្រួយនេះតាមពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដឹងរឿងរាវនៅមកព្រួយនេះត្រង់ថាចូលបានមកប្រមាណមកប្រមាណប្រហែលទេມັນច្បាស់លាស់ថា 100 tops, Est-ce que vous êtes bien rentré dans Phnom Penh le 17 avril 1975 avec une division de la force spéciale? Je suis venu à la maison.
De quelle division s'agissait-il, cette division de la force spéciale, de la zone spéciale? Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez déclaré que vous pensiez que le 17 avril 1975, les paysans, à partir de ce moment-là, connaîtraient enfin une vie meilleure. Pourquoi pensiez-vous que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure? ជំរាបជូននេះជាគំនិតគិតគូររបស់ខ្ញុំដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយឃោសនាអប់រំថាលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់តាមគំនិតខ្ញុំអញ្ចឹងទៅតែការពិតជាក់ស្ដែងមកថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានគិតទេបាទ Mais dans les zones libérées, vous aviez travaillé auparavant. Est-ce que vous avez pu constater que la vie des paysans s'était améliorée? Et sur base de quels critères vous pouvez nous dire que cette vie s'était améliorée? មានការគិតគូរថារីចម្រើនដោយសារថាពេលនោះខាងមុខចេះតែវៃរួចទៅខាងក្រោយចេះតែបកើនផលម្ដងដីចិត្តភ្នំពេញណាដីល្អមានត្រីមានសាច់អីហូបទៅព្រោះសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅគ្មានជាកំណត់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាទេ ទេហ៊ានឬហៅថាយោធាមានអំណាចចេះតែរុញដំបូកហើយប្រជាជនដែលដឹកជញ្ជូនតាមក្រោយចេះតែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការម្ដងនឹងទៅហើយបានត្រីបានសាច់ពីទន្លេនឹងហូបទៅខ្ញុំថាអានេះជាជីវភាពប្រន់បាទបាទបញ្ជាក់ជូនលោកដែលសរសេរនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទ Quel était au moment où vous êtes rentré dans Phnom Penh la composition de la population dans la ville? Est-ce qu'il y avait par exemple beaucoup de paysans qui se trouvaient à Phnom Penh? Somme chlai. Phnom man aich sanithan ban te. Vi froh manuh chbok chwal tau tvong tau cheung. ដល់ឡៃតកាស្លៀកពាក់ចម្រោះមកពីខេត្តមកពីទីប្រជុំជនមិនដឹងជាតាណាជាតាណាខ្ញុំមិនអាចកត់សង្កល់ថាអូប្រភេទនេះកសិករប៉ុណ្ណេះភីរយអីអត់បានទេបាទ Mais est-ce que dans une ville comme Phnom Penh, est-ce qu'il y avait des gens qui appartenaient à d'autres classes sociales que la classe sociale des paysans? Et si oui, quelles autres classes sociales existaient selon la classification qui en avait été faite par le Parti communiste du Cambodge? ពេលសង្គ្រាមទើបតែមិនតាន់ចប់ស្រួលកំពុងតែច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបតែដើមបានទីតាំងអញ្ចឹងការកំណត់
ประเภทวันไหนอเมียนเดรวยหายพวกยมยมจอลดังลือแต่ท้าเมียนปะเจียจนตามแขนจิตจิตรถโจลกีกรงหายนังเมียนมันตรีริชกากระทรวงนางกระทรวงไหนยมกรมดังได้กำหนดมันแต่ฟีนึงเท่าโดยฉะนั้นมันอายกำหนดถ้าประเภทวันนั้นนี้วันนั้นอันดังเองว่าJe vais revenir là-dessus, mais est-ce que vous n'avez jamais entendu parler, dans le cadre du mouvement révolutionnaire ou du Parti communiste, alors que vous étiez chargé de propagande, vous n'avez jamais entendu parler de lutte des classes ? Je vois pas une année, pas lutte d'ailleursតែមិនតន់យកមកចោតក្នុងពេលនោះទេគាត់នៅលើថាតស៊ូដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពអ្នកក្រីក្រតែមិនតន់យកជាបញ្ហាសំខាន់ទេពីព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះភាគីមកខាងសិនពីតាមខ្ញុំទទួលជាការផ្នែកខុសសំណឹកឲ្យដឹងឮតាមសមត្ថភាពខ្ញុំពេលនោះបាទJe comprends quel était votre rôle, mais ce qui dit lutte des classes dit confrontation entre plusieurs classes. Alors, quelles étaient ces différentes classes entre lesquelles il pourrait y avoir une lutte ? Pe long tam khom cham ke ke hau tha mahachalana prachechon.ហើយជាការបង្រួបបង្រួមបង្កើតចរណៈសេដូច្នេះគ្មានការតស៊ូប្រយុទ្ធទេគឺប្រមូលគ្រប់ចំណត្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះប្រមូលគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នោះមកចូលរួមហើយអត់ហ៊ានអត់មានគោលការណ៍ថាលើកថាគ្រូបង្រៀនត្រាប់នេះត្រាប់នោះទៅប្រឆាំងនឹងស្តប់នេះស្តប់នោះបានទេបើលើកអញ្ចឹងវាបែកបាក់អស់ហើយមិនអាចប្រមូលកម្លាំងមកបានទេបាទពេលក្រោយខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងពេលក្រោយតទៅទៀតប៉ិនចំពោះពេលនោះគ្មានទេPour en revenir au 17 avril 1975, quand vous êtes rentré dans la ville, quelles instructions ont été données par les forces armées à la population de la ville ? Phnaik kong toap ban chia yang baik khnyom mon dang tae phnaik khnyom kran tae leuk piek slauk oy khosana thaចាញ់ខ្លាច់កប៉ាល់ហោះទម្លាក់ក្របវាយទៀតជុំគ្នាងាប់ច្រើនចឹងកិច្ចប្រវាយគ្នាទៅក្រៅនេះខ្ញុំដឹងលឺប៉ុណ្ណឹងបាទហើយផ្នែកកងទ័ពមិនដឹងទេពួកពីបជាតាមខ្សែរបស់គេEst-ce qu'il y avait aussi des instructions qui ont pu être données spécifiquement à certains groupes de population, comme par exemple les militaires de la République Khmer de Lon Nol ? Qu'est-ce qu'on a fait avec les militaires de Lon Nol à ce moment-là, le 17 avril 1975 ? គឺថាជាការឃោសនារួមចលនារួមទាំងអស់គ្នាត្រូវចេញពីក្រុងហើយបែងចែកឋានណាចេញមិនចេញអីអត់មានទេគ្រាន់តែឃោសនារួមឲ្យចេញពីក្រុងទាំងអស់បាទនេះដែលខ្ញុំដឹងKi monsieur le témoin vous a demandé d'accrocher des banderoles
dans la ville de Phnom Penh aux fins de l'évacuation. Je vais répéter, je ne suis pas sûr que tout a été entendu. Qui vous a ordonné d'accrocher des banderoles pour informer la population de Phnom Penh qu'il fallait évacuer la ville? ដំណបានគេមានសិទ្ធណែនាំទៅផ្នែកការងារផ្សេងៗការងារឃោសនាណែនាំយ៉ាងម៉េចការងារដឹកជញ្ជូនណែនាំយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងថ្នាក់ក្រោមទទួលការណែនាំពីតំបន់ហើយយើងអនុវត្តតាមនឹងបាទ Et vous aviez préparé ces banderoles le jour même ou vous les aviez déjà préparées à l'avance, sachant que la population serait évacuée? ទីទៀតក្បាលហមមកតម្លាក់ងាប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯរឿងឲ្យចេញជាសារាចរចេញជាពាក្យសម្ដីជាផ្លាកអីក៏សង្កល់ដល់ទ្រូងអីគ្មានទេពេលនោះមានតែពាក្យសម្ដីប៉ុណ្្នឹងគាត់ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាជាវិន័យដៃថែបជាលក្ខការខ្ពស់បំផុតមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទទួលហើយអត់មានចាំបាច់និយាយច្រើន Concernant les bombardements et les risques de bombardements, il n'y avait plus de bombardements, je crois, depuis 1973 par les Américains. Est-ce que vous avez cru vous-même à ce motif d'évacuation de la ville de Phnom Penh, que c'était en raison des risques de bombardement qu'il fallait évacuer? Est-ce qu'on a dit à la population de Phnom Penh qu'en réalité, elle partait pour toujours, qu'elle ne reviendrait pas à Phnom Penh y habiter durant le régime du Kampuchea démocratique? Est-ce qu'au sein des forces et au sein de votre cellule de propagande et au sein plus généralement du Parti communiste, est-ce qu'il n'y avait pas eu une certaine méfiance qui s'était développée au fur et à mesure par rapport à la population qui avait trouvé refuge à Phnom Penh sous la protection des forces de l'ONNOL? Est-ce que du côté des Khmer Rouges, est-ce qu'il y avait une méfiance vis-à-vis des citadins en général? Pia Slong Nai Nong
គឺទទួលស្វាគមន៍ប្រជាជនទាំងអស់ហើយយកមកជួយដោះស្រាយជីវភាពបាយទឹកកន្លែងរស់នៅទៀតឯការទទួលបានល្អມັນបានល្អអានឹងខ្ញុំយល់មិនដល់ទេទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងកន្លែងនីមួយៗតែឲ្យទុកជាសត្រូវអត់មានទេគឺគិតថាស្វាគមន៍ឲ្យល្អទាំងបាយទាំងទឹកទាំងទីកន្លែងឯទាំងអស់ Revenons au 17 avril et aux deux jours qui ont suivi. Comment concrètement l'évacuation a été organisée et comment elle s'est déroulée? ខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងហើយការឃោសនាអំពាវនាវឲ្យចេញពីក្រុងគឺដោយហេតុផលដើម្បីធានាសន្តិសុខពីរឿងក្របបែកពីរឿងបៃតងតាមទៅវិញទៅមកម្ដងទៀតតែសំខាន់ក្របបែកទី1ទី2ការអំពាវនាវឲ្យចេញនេះឲ្យចេញទៅតាម សំណូមពរអ្នកកំពុងចាំអ្នកកំពុងធំឬអ្នកនៅម្ដុំចិត្តអីនេះទៅរៀងខ្លួនទៅឲ្យទៅស្គាល់កន្លែងណាទៅកន្លែងនឹងទៅនេះតាមខ្ញុំក្តាប់បានប៉ុណ្ណឹងມັນមានជាការចាត់តាំងបង្ខំថាត្រូវតែទៅកំពង់ស្ពឺទៅកំពង់ចាមអត់ទេធ្វើម៉េចឲ្យទៅចេញឲ្យផុតពីទីក្រុង Quels moyens de déplacement ont été mis à la disposition des habitants par les forces Khmer Rouges et en particulier à la disposition de certaines personnes vulnérables comme les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les enfants? Quelle façon, au niveau logistique, ces personnes ont été aidées à rejoindre leur village d'origine? តាមខ្ញុំមើលដោយមិនមានលទ្ធភាពអីយកមកជួយឲ្យមកទទួលទេគឺទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គ្រួសាររបស់បុគ្គលហើយបើជួបទៅហ៊ានជួយសែងជួយអីខ្លះអញ្ចឹងទៅតែឲ្យតាមវាចាត់តាំងជាក្បួនខ្នាតអីមកទទួលដោយអត់មានទេហើយទៅនេះ Vous parlez d'une situation chaotique, mais vous saviez que le but ultime, c'était de prendre Phnom Penh. Comment est-ce que les dirigeants n'ont pas prévu un peu plus d'organisation pour évacuer la ville, alors que c'était la dernière ville à prendre, ou à peu près? រៀបចំខ្ញុំចាំមានតែប៉ុណ្ណេះទេគាត់ថាអ្នកដែលនៅកន្លែងចាស់ហើយចាំទទួលអ្នកថ្មីអ្នកថ្មីនឹងមកទទួលផងឲ្យរស់នៅផងទៅចែកបាយចែកទឹកផងទៅតែខ្ញុំគាត់សង្កល់ចែកយ៉ាងណាកុំគ្រប់ដែរពីព្រោះមកជាកំណោអញ្ចឹងមកហើយហើយអ្នកនោះក៏មិនជាអ្នកដែលនៅខាងក្រោយនឹងជាអ្នកមានលទ្ធភាពអីគ្រប់គ្រាន់ដែរបាទ C'était le mois d'avril,
Tout le monde sait qu'au mois d'avril au Cambodge, il fait très chaud, très humide. Qu'avaient prévu les Khmer Rouges pour nourrir toutes ces personnes qui étaient évacuées, pour leur donner à boire, pour les loger, pour les protéger des moustiques, pour les soigner contre le paludisme ou la diarrhée le long des routes? Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour ces personnes en plein mois de grande chaleur au Cambodge? Quant aux personnes qui refusaient d'être évacué, est-ce qu'il y en avait? Et qu'arrivait-il à ces personnes? Vous voulez dire que pas une personne à Phnom Penh n'était contre l'ordre d'évacuer la ville et pas une personne n'a essayé d'y rester, même en prenant le risque d'être bombardé. Tout le monde était d'accord. Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet. Comme il est déjà 2h40, est-ce que c'est le moment de faire une pause ou bien je continue? Merci. សូមក្រោកឈរ